Salut à tous les amis Celtics, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur eFootball. Je suis sur PlayStation 5, les amis, et c'est parti, on va jouer. Instant Gaming avec moi, on fait un concours pour faire gagner le jeu de votre choix en dessous dans la description. Games Go pour les comptes beaucoup moins chers pour Spotify, Crunchyroll, ChatGPT, Netflix, etc. N'hésitez pas. Le lien est en dessous et j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. On va jouer aujourd'hui sur PS5 et je suis en division 4. Je suis prêt à me qualifier pour la division 3. Je crois qu'il me reste plus qu'un match nul en 4 matchs à faire, donc normalement ça devrait le faire. Mais on joue un joueur de division 1, les amis. Attention, il va y avoir une grosse équipe. Putain, sur PlayStation 5, moi, ce que je trouve le plus... Oh non, mais je joue pas au Camp Nou, le stade, il est immonde. Le plus fou, en fait, c'est que vraiment, le nombre de gens, et de tous les niveaux, hein, qui ont des grosses équipes, c'est hallucinant, le nombre de grosses équipes qu'on croise. Bah voilà, une grosse équipe. Pourquoi ils sont qu'à 100, ces joueurs? Beckenbauer, Costa Curta. C'est bizarre. Non, remarque, il a dû les monter différemment un peu en défense. Bon, bah, grosse équipe. Je suis en possession, moi, les amis. Je monte à 3113 en possession. Bruno Guimarães, je voulais l'essayer, mais je ne l'ai même pas monté à fond, les gars. Mais il est en forme. On va l'essayer. Qu'est-ce que je voulais essayer d'autre? Les attaquants pas en forme, ça me fait peur, Mbappé et Foden, là. Surtout Mbappé, en fait. Je crois qu'on va mettre David Villa. Hein. Je crois qu'on va mettre David Villa, les amis. Parce que, ouais, il me fait peur à pas être en forme, là. Est-ce qu'à la place de Foden, on mettrait Cole Palmer? On mise sur les joueurs en forme? Je pense qu'on va faire ça, les amis. Oh là là, il joue en 5-5 avec une équipe de porcs. Waouh, mon gars, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez, c'est parti. Ça va être très très chaud là, je pense. Il joue avec Samuel Eto'o, Mbappé, Léo Messi, Okazaki, Guti. Ok. Ça va, ça va. Ça va le faire, les amis. Van Dijk, je sais pas si je garde Van Dijk ou pas. J'hésite un peu, Van Dijk, par exemple avec Timber. Il est meilleur de la tête. Il n'a pas d'accélération, Van Dijk. C'est ça le problème. Il a des meilleures stats défensives, mais... Ah, j'hésite. J'hésite. C'est Ruben... Sinon, il y a moyen aussi de faire un Ruben Dias ici. Comme ça, et de mettre Timber à gauche. Timber, il va vite. Il a plus des stats d'un latéral. On va voir. En tout cas, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire, mais on va essayer, les amis. On va essayer, tranquille. Tranquillement. De toute façon, même si on perd celui-là, on peut après faire un match nul et normalement, ça devrait passer. Du coup, j'espère que vous allez bien, que vous avez kiffé la vidéo sur Iniesta et que là, maintenant, on est au Camp Nou. Ah, mais vous savez quoi? Le Camp Nou, ça y est, il... Ou alors c'est sur PlayStation, il scintille pas le stade. Oh, incroyable. Oh, incroyable. Franchement, incroyable. Parce que sur PC, il est horrible le stade. J'ai jamais su pourquoi. Ok, but. Oh! Alors là, là par exemple, c'est vraiment... Je sens le gardien Schmeichel. Parce que là, il y a but. Hein. Franchement, il y avait but. Il me sauve Schmeichel, un truc de fou. Et là, c'est le genre de truc indéfendable, en fait. Quand avec Eto, il fait le crochet, j'ai pas le temps de... Je sais ce qu'il va faire exactement. J'ai pas... Oh là là. J'ai pas du tout le temps de faire quoi que ce soit. Hein. C'est chaud. Hein. Oh, le temps qu'il met. Oh là là, incroyable. Le temps qu'il a mis, Guimarães. C'était abusé. Oh, non. Oh, c'est incroyable. Je peux pas défendre, les gars, pour l'instant. Le goal me sauve deux fois. Hein. Il va pas me sauver trois fois, donc il faut absolument que je fasse quelque chose. Par contre, je n'arrive pas du tout à défendre contre lui. Pas du tout parce qu'il fait, mais parce que mes joueurs sont complètement en retard. C'est un enfer. Bien joué, Schmeichel. Pour l'instant, Schmeichel, homme du match pour l'instant. Non, j'avais appuyé avant. Je voulais pas faire ça. Shit.
Bien joué, Cole Palmer. Oh, dommage. Il faut me souvenir aussi, je suis en possession, les gars. Peter, I've always liked the very all-round capabilities of this fella, Bruno Guimarães. He's strong, competitive, aggressive without the ball, but one of the better distributors when he's on it. He usually slots into. Cole Palmer, c'est un camion 3 tonnes, mon gars. C'est un camion 3 tonnes. Il me fait un pressing, je peux rien faire. But he's just as effective when he gets further up the pitch to find something more. Faute. Oh, c'est dommage parce que là, si je monte comme ça et que je la remets dans. Ouais, franchement, il a empêché une belle occasion de se former, là. Je suis un peu deg. Je vous avoue, je suis un peu deg. De l'autre côté, non? Oh non, il me rate la passe, dommage. Dommage, c'était pas mal, ça. Allez, on retourne en arrière. On sait que Roberto Carlos a un jaune. Du coup, peut-être qu'on peut jouer sur lui un petit peu. In a phase of testing the waters and sizing each other up. And he's intervened well there. J'ai aucune solution. Je sais pas du tout où la mettre, les gars. Je regardais sur le radar, il y avait aucune solution, c'est chaud. J'ai pas assez de milieu de terrain là. Je me fais. Oh, Guimarães, il a décidé de pas prendre la balle. Oh, il y a but. Oh, ah ouais. Non, mais là, il faut avouer que il mérite. Très compliqué, son équipe est très très forte. Enfin, son équipe, je sens le. Je sens vraiment le truc de quand, que tu sens quand tu joues contre une grosse équipe. Là. C'est, regardez, mes joueurs sont à 10 mètres de lui, vous avez vu. C'est n'importe quoi. Il n'y a aucun marquage, les joueurs sont à 12 mètres de lui. On va se mettre un milieu en plus parce que ça pue du cul là. Il est mieux en MDF. On va le laisser en MDF. C'est immonde le match. Mais bon, c'est dur contre les équipes comme ça. Ah, regardez ça. Kamavinga, vous avez vu l'interception, il a même pas fait un geste, j'ai l'impression, pour y aller. Hein. Ça se fait automatiquement. Son IA, elle est ouf là. Oh non, oh non. Oh là là, mon gardien qui me sauve encore une fois. Incroyable. Et le Smichel, il fait un match, mon gars. Non, putain, et toutes mes passes sont interceptées. C'est un pauvre Kamavinga là qui joue. C'est pas Vieira ou Makelele là, putain, c'est ouf. Kamavinga, il est en mode God tier là. Wow, je peux pas tirer, dommage. Allez les gars. Une remise? Dommage. Oh, Cole Palmer, t'aurais pu la prendre. Putain, je sais à chaque fois où il va faire la passe, mais j'arrive pas à être dessus. C'est un truc de ouf. Je sais tout le temps où il va la mettre. T'as encore là, là aussi je sais. Mais c'est dingue, je vous jure. Il a fait 5 passes. Je sais à chaque fois il va la mettre. Je sais pas pourquoi mes joueurs ils arrivent pas à être là quoi. Ils sont pas dessus. Ils sont pas genre. Ça va être très très compliqué là. Allez, on va essayer. Oh putain, le retour qu'il me fait. Mais what the fuck. Mais c'est un truc de ouf. Oh putain, on peut pas faire de passe les gars. Mais regardez, je peux. Oh, mais il met 3 heures aussi, lui. C'est infernal, hein. C'est infernal, les gars. Je suis tout mou. Pourtant, il est prévisible de fou, le joueur en face, hein. Il va hors jeu. Ouais. Pourtant, il est prévisible de dingue. Genre, j'ai pas de mal à lire son jeu, mais j'arrive pas à défendre. Et en attaquant, il a genre un Kamavinga MDC qui me pourrit la vie. Genre, faut que j'attende que ça tourne en fait.
Là, de toute façon, il faut que j'attende que le momentum tourne. Il faut que j'essaye de faire des frappes pour l'avoir, le reprendre. Mais c'est dur parce que... Oh non. Je vais le remettre au milieu. Putain, mais voilà, vous avez vu, à chaque fois, je sais ce qu'il va faire, c'est ouf. Allez. Cole Palmer, c'était... Oh, j'aurais pu le servir, en vrai. Oh, il s'est barré, Palmer. Oh non. Allez, faut que je sois patient, les gars. Faut que je sois patient. Je sais que j'aurai ma chance. Hein. Je sais que j'aurai une chance, mais faut juste que, que j'en prenne pas un autre, parce que si j'en prends un autre, c'est totalement fini. Mais même ma défense est lourde. Oh, putain. Il l'a fait... J'ai pas appuyé, hein, mais il est intervenu. Oh ouais, la grosse faute, Cannavaro. Qu'est-ce que tu fais, Cannavaro? Qu'est-ce que tu fais? Aïe, 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 aïe. Il faut que j'arrête. Yes! Allez, let's go! C'est le moment de revenir dans le match, là. Allez, les gars. Regardez, je peux pas... Mais c'est comme si j'avais une énorme latence pour mes défenseurs. Je vous jure, c'est un truc de fou. À chaque fois que je bouge, ils sont en retard. Mais c'est pas de la latence. Hein. Je sais, il y en a, quand ça vous fait ça, vous vous dites que c'est la... Quand ça vous fait ça, vous vous dites que c'est la... Que c'est le jeu, la latence, etc. C'est pas du tout ça, les gars. Enfin, là, c'est clairement du... C'est clairement du momentum de fou. Je vais mettre 2 MR maintenant. Cole Palmer... On va le mettre comme ça. On va jouer plein axe, de toute façon. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Ou alors, c'est de la latence. Putain, je sais pas, les gars. Vraiment. Mais dès que je défends, je suis en retard. Je l'ai senti dès le début du match. C'est trop dur de défendre. C'est le match. Si ça continue comme ça, je pourrais pas le gagner de toute façon. Ouais, c'est ouf. Je suis vraiment à la bourre à chaque fois que je fais un truc. Ah, cet engagement, je vais prendre. N'y va pas surtout, hein, McAllister. Mais c'est dingue. Hey, je suis trop en retard tout le temps, c'est un truc de fou. Oh, c'est horrible. Genre, c'est horrible, vraiment. C'est tout mou. Je peux pas dribbler, c'est un truc de barge. J'ai trop du mal à dribbler là. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que le gars est tellement prenable. Hein. C'est énervant. Je lui laisse... Oh, dégueulasse. Mais... je vais me confronter à ça dans les plots de division, c'est que je vais me confronter quand même à un manque. J'ai un manque dans mon équipe. Je sais que quand j'avais une équipe comme ça sur PC, je galérais trop, les gars. J'ai pas une assez grosse équipe pour faire ce que je veux, là, honnêtement. Je veux pas dire que c'est une excuse et tout, mais honnêtement, je... Non, là c'est de ma faute, mais honnêtement, j'ai pas assez l'équipe pour. Pas faute, non? Oh, dommage, j'aurais peut-être pu la contrer. J'ai pas l'équipe qu'il faut pour faire ce que je veux au niveau du jeu, en fait. Du coup, ça viendra, mais. Je manque des pics. Allez! Après, on peut toujours revenir dans ce match. Je sais pas comment, honnêtement, parce que là, en possession, c'est la misère. J'avais oublié ça aussi, mais quand tu es mené en possession, je trouve que c'est la misère. En fait, tu n'as pas d'appel devant. Et c'est ça qui est... Dans les matchs où tu contrôles tout et tout, c'est facile, c'est bien. Mais dans les matchs où tu dois revenir, c'est vraiment la grosse misère, hein, la possession. Genre, ça fait pas d'appel devant, tu n'as pas de contre-attaque, c'est compliqué, hein. David Villa,
it's Neymar. Neymar. David Villa. Oh, ça passe pas, ça. Putain, j'ai pas de chance. Il fait que sa grosse passe sur Mbappé, là. Il fait ça tout le temps. Il y a faute. Après, si j'en mets un, on sait que ça peut débloquer le truc. Hein. Il suffit que je mette un but et ça peut débloquer le bordel, mais... Je sais pas comment faire, là. Honnêtement, je vous avoue, je sais pas du tout comment faire, comment jouer. C'est un truc de fou, hein. On va mettre Vinicius AIG. Peut-être que j'aurais peut-être dû jouer sur les côtés au final, je sais pas. C'est un truc que j'ai pas encore essayé dans ce match, mais j'ai zéro occasion. Genre, c'est un truc de ouf, il se passe rien. C'est un truc de barge, il se passe absolument rien. J'ai des joueurs en forme qui n'ont absolument rien fait. C'est un truc de fou, j'ai aucune occasion, j'ai rien. C'est horrible. Pourtant, il a pas une si grosse équipe que ça, en plus, c'est ça qui est dingue. Il a une grosse équipe, mais... Ça va, quoi. Genre, il est tout seul avec MDF, Eduardo Camavinga, et genre, ça me bloque complètement. C'est hallucinant, en fait. Il faut que je réussisse à marquer... Il faut que je réussisse à mettre un but, mais regardez, j'ai zéro occasion, c'est un délire. Je vais me remettre... Parce qu'en fait, j'ai le seul entraîneur que j'ai, c'est de la possession, en fait. J'ai Guardiola, qui est à 88. Du coup, vous avez vu, j'ai une note 3113. Mais en fait, la note, ça change rien, les gars. Genre, c'est vraiment les joueurs épiques qui changent quelque chose. Si t'as une note plus haute... Moi, j'ai une note, mais j'ai que 3 joueurs épiques, enfin, de payants. Ça change rien du tout. Je serais toujours beaucoup, beaucoup moins performant qu'une équipe full épique payant. Même si l'équipe full épique payant a moins que 3113, ils seront beaucoup mieux. C'est clair et net. Je me demandais longtemps, mais j'en suis certain. C'est clair et net. Ne vous fiez pas à ce score de team. Fiez-vous vraiment aux joueurs payants qui y en face. Ça, c'est vraiment... Mais j'en suis certain, quoi. Mais maintenant, après, on sait jamais. Là, avec les changements et tout. Bon, vas-y, qu'est-ce qu'il fout, là? Joue. Il y a peut-être moyen, on sait jamais. Oh, mais vous regardez, je peux pas faire... Regardez, je peux pas faire les passes directes. Ouais, j'ai une latence, c'est pas possible, les gars. C'est trop long. Regardez, à chaque fois que je dois faire un truc, ça me prend 3 heures. Oh, c'est trop long. Eh, franchement, j'ai une latence de porc, les gars. C'est horrible. Je sais pas si c'est... Je suis en train de me demander si c'est pas de la vraie latence, quoi. Je croyais que c'était du script, mais... Oh, je me demande si j'ai pas une vraie latence. C'est pas possible. Ou alors le mec, il habite hyper loin. Je sais pas, c'est un délire. Qu'est-ce qu'il fait en plus? Oh, il fait tourner là. Il fait que ses vieilles passes en l'air là. Attention. Non, mais fais pas là, l'âme! Oh là là! Pff. Oh, le non-match, quoi. Mais quel enfer! Oh là là, c'est tout mou, tout dégueulasse. Putain, mais quel match de merde. Oh, c'est horrible. Allez, joue! Je vais faire le prochain match quand même comme ça aussi. Juste pour voir si c'était ça ou pas. Mais là, sur Vinicius, abruti! Wow, là, c'est trop, les gars. Genre, qu'est-ce qu'il fait? Mon équipe, vraiment, elle pue la merde. Wow, regardez, je peux pas défendre. Oh là là, il aurait dû tirer. J'arrive toujours en retard. C'est un truc de fou. Wow, regardez, je change de joueur. C'est trop long, mais il est nul. Il fait n'importe quoi. Putain, ça va ouf. J'ai zéro occasion contre un mec comme ça, mais ça rend fou. Il est tout nul. Non, il est pas tout nul. Il est pas tout nul, mais il est pas ouf. Oh, ce que tu rates, Foden. Oh, mon Dieu, ce que tu rates, Philou Foden. Oh, le match éclaté au sol que je fais. Non, le pire match, c'est moi qui le fais. Hein. Franchement, c'est vraiment moi. J'étais horrible. Mais je peux pas jouer, vraiment. C'est tout mou. Genre, je peux rien faire. Mais regardez, je suis trop en retard. Mes joueurs, ils sont tout lents.
C'est un truc de ouf. Regarde, je peux pas regarder normalement avec Cannavaro. Je sais qu'il arrive. Je peux pas. C'est trop mou. Et même et lui, il arrive pas à marquer alors que c'est comme ça. Mais c'est ouf. Oh là 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 là. Catastrophique le match. Catastrophique. Horrible. Immonde. Alors, je sais pas si c'est d'être en. Je sais pas si c'est d'être en. En possession. Oh, c'était dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse. Non, vraiment horrible. Je sais pas si c'est d'être en possession. Le truc, c'est que là, en possession, je peux pas jouer comme ça. Hein. Vraiment, je peux pas. Hein. C'est trop dur. Il faut que je joue en contre-ballon long parce que j'ai aucun centre, j'ai aucun pas de centre, aucun décalage, ça va pas vite devant, je peux pas jouer en possession, il faudrait que j'ai une équipe vraiment supérieure quoi. Donc en fait, je vais pas jouer en possession, j'ai essayé en contre-ballon ballon. On va voir si c'est pareil mais je peux pas jouer possession avec cette équipe, c'est pas possible. La possession, je me souviens de cette. En fait, quand ça marche, mais quand t'as un match galère, t'as une impuissance en possession, t'as pas de contre-attaque, c'est genre vraiment une impuissance de fou. En fait, c'est trop bien quand tu mènes 2-0 et que t'es en possession, tu fais tourner le mec, il sait rien faire et tout, mais non, non, là, c'est pas possible, voilà. Ah ouais, mais là, il me met contre des joueurs qui sont en Iran aussi, bah ouais, non, mais là, les serveurs, c'est un truc de fou, mec. On est dimanche après-midi et il est 14h et on match contre des gens qui sont en Iran. Putain, mais les gars, il n'y a pas un peu moins loin là sur. Moi, je veux bien attendre 30 secondes. C'est pas là, on s'en fout que ça mette 10 secondes. Je veux bien attendre 40 secondes si c'est pour avoir un joueur plus près quand même, non? Regardez le chargement. Regardez le temps de chargement, les gars. What? Ah ouais. Non, mais là, ça va mettre 2 heures. Mais les gars, il est marqué, il est en Iran, le gars. Ah, j'ai jamais vu un temps de chargement comme ça. Mais c'est quoi ce délire, là? What the fuck? Je pensais même que ça avait bugué le match. Ça n'a pas bugué. Ça risque d'être immonde encore, ça. Hein. Putain. Oh là là, ça me casse déjà les burnes. Rien que d'y penser, là, j'en ai déjà marre. Alors. Ouh, on a des joueurs en forme, là. On va se mettre Iniesta. On va se mettre Vinicius. On va se mettre Neymar ici. Et lui, joue à qui? Ok. Oh. 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 Oh la flemme. Oh la flemme. Oh. 3213. Oh là là. Oh non. 3213. Je suis à l'extérieur sur son serveur là qui est à 12 000 km de chez WAM. Oh, j'ai la flemme là, les gars. Oh là là. Ça va être une immondice. Ça va être immonde. Cette carte de Kamavinga doit être forte, non? Parce que l'autre, il avait ça aussi. Ça me cassait bien les burnes. Et par contre, vas-y, sur PS5 aussi, ils mettent tous tout le temps à faire leur changement là. Vas-y, change Makelele MOC là. Et vas-y, dépêche-toi là. Putain, il a mis 3 heures le type. Regarde-moi, caméra. Regarde-moi, pute, plus haut. Voilà. Voilà, super. Ok, Persian Golf, Laisse tomber le match que ça va être dans ce stade éclaté au sol avec une piste d'athlétisme. Allez, c'est parti. Ah mais regardez les temps de chargement les gars, mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc? Pff, oh là 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 là. Allez. Oh là là, mais ça met 10 secondes avant d'afficher les curseurs, mais allez là. Mon dieu quoi. Tout ça pour me faire taper par une équipe à 1000 balles là. Ça me casse les couilles. Oh, j'avais même pas vu qui était là, David. Je l'avais pas vu, je croyais que c'était l'arbitre, je vous avoue. Hop là, hop là. Allez, Mbappé. Ouf. Je l'avais mis un bon shoot dans les genoux, là. Tu vas faire ton crochet, là. Allez, dégage. Bam. Oh, je lui ai mis un de ses coups de pied.
Oh mon gars, c'est qui est arrivé comme ça? Oh, c'est Ruben Dias, il arrive, il lui a mis un coup de latte. Il lui a dit, arrête de faire tes conneries là. Il a dit à la Makelele, là, tu fais tes trucs PlayStation, je vais t'envoyer à l'hôpital, il lui a dit. Non, pas là, pas là, pas là. Aïe, aïe, aïe. Allez. Ronaldinho, ils lui ont fait un physique dans le jeu, c'est n'importe quoi. Il est super physique. Alors que bon, c'est Ronaldinho, c'est un joueur pas physique, c'était lui. Oh, ça passe. Ça passe, ça passe. Vini, une remise. Oh, dommage. Oh, s'il avait la remise, c'était bon, là. On était bien. Pour l'instant, il tombe dans tous mes pièges. Hein. Oh, dommage. Kiki, dommage. Oh. Ah, je pensais que ça passerait. Non. Oh, la co. Neymar, Mbappé. Mbappé est nul de la tête, c'est un truc de ouf, dommage. Allez, Ruben. Oh, il a raté son geste. Oh, je suis mort, vous avez vu le geste technique qu'il a fait? Il a raté, Saka. Dommage, dommage pour lui. Ça joue mal en face, hein. Putain. Ça va peut-être me battre, hein, mais oh là, ça joue pas bien, les gars. C'est chaud. Ça joue vraiment pas bien. Allez. Il faut que j'arrive à faire un truc, là. Le centre. Oh, oh, dommage. J'ai voulu faire... Je vais vous montrer les centres à la lame. J'ai mis pas mal de buts là quand j'ai joué. Je vais vous montrer ça, c'est pas mal. Faute. Let's go. Le but. Ouais, les centres de lame, ils sont vraiment stylés. Genre, ils tombent comme des blitz. Faut que j'arrive à vous en montrer quand je fais des centres puissants avec lame. C'est assez stylé. Au final, la connexion là, avec le joueur d'Iran, là, c'est moins laggy que le match d'avant. Donc allez savoir, hein, je ne comprends rien. J'ai moins de problèmes, c'est beaucoup plus réactif, ma défense est beaucoup plus réactive. Ce qui prouve bien que c'est... Franchement, je pense vraiment que c'est du script, les gars. Là, c'est beaucoup plus réactif en défense et tout que le match d'avant. Hein. Vraiment, hein. C'est un truc de ouf. Non, par contre, ça passera pas. Ouais. On sait que tu la mets là, on sait que tu la mets là, mon ami. Ah, ça passe pas, je suis con. J'ai voulu essayer, mais j'ai voulu aller trop vite, là. Je vais trop vite, calme-toi, là. Calme-toi, c'est bon. Voilà. Non. Putain, je tente des trucs trop risqués, là, je fais nimp. Attention, ça a passé. Oh, j'ai failli lui en mettre dans l'axe, là. Super. Ça passe, ça, pour Mbappé. Ça passe. Let's go, Kiki. Allez, 2-0. Hop là, le petit enroulé de Kylian après le petit double contact là. Allez, on continue. S'il quitte vraiment, si vraiment avec une équipe comme ça tu quittes, mais vraiment, t'es faible. Si tu quittes là maintenant avec ton équipe, t'es vraiment faible. Il a mis tous les doubles boosters, il a tout le mec. Regardez cette équipe de malade qu'il a. Regardez cette équipe de fou qu'il a. Oh, la défense. Nesta, il a Schmeichel, il a un Van Dijk, il a Costa Curta, celui qui a 102, il a Philippe Lam. Devant Ronaldinho, Cantona. Il devrait pas mettre Cantona en fait en AC. En la vérité, c'est qu'il devrait mettre un... Vu qu'il sait pas jouer en possession, il devrait mettre un mec pour contrer en fait. C'est sûr qu'il a des cartes Mbappé, etc. Il serait meilleur avec une carte Mbappé qu'avec son Cantona, je pense.
Their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Regardez les centres de Lame. Regardez comment il retombe. Vous avez vu? C'est trop stylé. Après, là, il était loin. Mais parfois, il retombe tellement qu'en fait, on dirait un... Il arrive à mi-hauteur. Et ça, c'est trop stylé. Je kiffe. Van Buyten, la défense automatique, vous avez vu? Il n'est pas venu. Hein. C'est la défense automatique. Son Van Buyten, il est sorti tout seul. Faut que je fasse gaffe. J'ai l'impression que là... En début de match, son Van Buyten, il n'aurait pas fait ça, là. Faut que je fasse attention. Momentum, là. Attention. Ouais, je pense qu'il faut que je fasse gaffe parce que son Van Buyten, là, le truc, comment il est sorti là. C'était bizarre. On va mettre Ronaldinho en marquage rapproché, on va essayer. Fait que j'ai voulu essayer une fois du marquage individuel sur le 6. Le mec qui doit relancer, mais c'est pas, ça n'a pas trop marché, je trouve. Faut que je réessaye. J'étais transparent, les gars, là. Hors jeu. Faut que je fasse gaffe. Je sens que fin de mi-temps, faut sauter. Mais il est sérieux, là. Il a pas quitté. Mais il est sérieux, mais... Pff, oh là 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 là. Imagine, t'as une équipe comme ça et tu quittes, mais... Pff, oh là 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 là. Mais quel... Pff. Imagine, t'achètes autant de joueurs pour faire ça, quoi. Mais t'es sérieux, vraiment. Incroyable, franchement incroyable. Bon, bah écoutez, c'était trop bizarre. En gros, trop bizarre le match. Trop bizarre les deux matchs, en fait. J'ai rien compris. Genre là, impossible de jouer. Genre, le mec, il a l'air plutôt espagnol. Je pouvais rien faire. Et l'autre, il est en Iran, a priori. Bon, ça se trouve, après, il n'est pas en Iran, hein, j'en sais rien. Est-ce que vous mettez seulement proximité? Ça se trouve, je dois mettre ça. Hein. Vu que sur PS5, il y a plus de monde, ça se trouve, je vais mettre ça. Parce que là, franchement... Le premier match, là, je sais pas si c'était la co ou quoi. Honnêtement, je suis pas sûr. Mais c'était horrible. Hein. C'était immonde. Hein. Ok, bah sur ce, je vous dis ciao les amis. On est premier en Division 3. Je vous souhaite une bonne journée. Et je voulais aller voir et je vais dire big up au président sénégalais qui est numéro 2 au classement. Et je vais proposer de faire des matchs prochainement et on va se faire quelques matchs. Je lui parle sur Twitter. Je vous dis ciao à tous. Gros bisous, c'est Altice. Ciao, ciao.